Alors dans cette interview, comme on est dans le futur, on est bien dans le futur, Manu. Hein. Ah bah oui, je vous le confirme. Bah, ça... Il faut quoi comme indice supplémentaire Ouvrez les yeux ou quoi? Comme on est dans le futur, on connaît les réponses déjà aux questions des interviews, n'est-ce pas? Du coup, je te propose de répondre. Je savais que t'allais le dire ça. Ah putain, il est allé dans le futur. Donc je te propose de répondre et ensuite moi je pose les questions puisque tu connais déjà mes questions. Ok. Ok, ça marche? Vous avez compris ou quoi? Super. Et donc c'est parti, top à la réponse. 47. Combien mesure ton pénis en centimètres? Oui, ça m'arrive, oui, mais enfin bon, après aussi, il y a des jours où j'ai pas envie. Donc t'as déjà pratiqué la gérontophilie? Ah non, ça c'est plutôt le partenaire, le ou la partenaire. Tu te laves le sexe ou pas? Non, mon chien ne vit plus à la maison. Ton couple, c'est une vraie réussite? Oh là! Qu'est-ce que c'est ça? Oh là! Ce drone vole tout seul, comme tu peux le voir. C'est fou. Qu'est-ce qu'il y a, drone régulateur? Interversion. Interview. Très bien. Nous allons inverser le processus d'interview. Merci. Top à la technologie. Très bien. Inversons maintenant les questions et les réponses. Ce qui est énorme, c'est que tu aies voulu répéter ce dos. Ce serait pas une répète avec Lionel avant de lancer? J'aurais peut-être dû la faire. Ok, à moi. Ok. T'es prêt à poser des questions à mes réponses? Ouais, mais je vais être moins bon que toi. Ah bon? Je suis très mauvais à ça. Mais arrête. Bah, je le sais, je suis dans le futur. D'accord. Ok! Il est très fort. Ok. Des tagliatelles. Qu'est-ce que tu prends dans un resto italien? Il est très très fort à cet exercice. Je vous avais dit, les gars, préparez-vous. À 1000 à l'heure, ouais, surtout le samedi. Quand tu te branles, putain. La branlette, ça reste toujours un bon délire? Ah, pas mal. Pas mal. 5 fruits et légumes par jour. Tu y mettais quoi, finalement? Bah, je sais pas, putain, ce qui me vient est fou. Je me fais peur à moi-même. Oui, et du coup, j'ai les mains moites. Se branler avec les pieds, c'est pratique. Ouais. Ça tourne quand même vachement autour de la branlette. Hein. Ouais. Ok, une dernière. Oui, avec plaisir. Bah, un petit resto, italien. Waouh. Ben oui, parce que, effectivement, quand vous le prenez en pleine gueule comme ça du premier coup, ça a l'air bluffant. Mais nous, ça fait des années, tu vois, qu'on bosse. Merci Manu pour aller plus loin. Bonjour à tous. En 1967, un homme n'a pas cliqué sur le lien pour s'abonner à cette chaîne. Il s'est pété le frein. Il y avait plein de sang qui sortait par le gland. C'était dégueulasse. Donc c'est vous qui voyez si vous cliquez ou pas. Bonne journée.